C'est ce vendredi que les trois joueurs du DCMP ont été portés en terre. Les corps ont été exposés au stade des Martyrs de la Pentecôte, où de nombreux téléspectateurs les ont rendus un dernier hommage en présence de plusieurs personnalités du monde sportif, mais aussi politique. Gaylor Diboulama, Mwanza Lemba et Hugues Moyenge laissent ainsi orphelin le football congolais. Comme un seul homme, la famille du football congolais a pleuré ses morts. Gaylor Diboulama, gardien de but du DCMP et doublure en équipe nationale, qui a fait ses débuts avec le FC Les Stars. Mozart Mwanza Lemba a explosé avec le Racing Club de Kinshasa, attaquant et joker dans les matchs difficiles, puisqu'il a marqué souvent dans les derniers instants, comme face à Lydia Ludic, académique du Burundi, il y a deux semaines. Hervé Mouyengue, milieu défensif surnommé Bousquet par les Daring Men, en référence aux joueurs du FC Barcelone. L'appel à l'union est à l'ordre du jour. Ce que nous regrettons, c'est que nous sommes en pleine compétition, mais Dieu lui-même sait ce qu'il a fait. Et c'est vraiment regrettable, il me manque même de mots pour que je puisse m'annoncer. Seulement, je demande que toute la famille Daring Men puisse être très soudé. L'heure est grave après l'inhumation de ces jeunes et valeureux footballeurs, puisque les prochaines échéances attendent les Daring Men. Nous demandons à tous les membres de l'équipe, Maître Toro, Mouyenge, Moussangane, de mettre autour d'une table, de discuter, parce que nous sommes en démocratie. Il faut qu'il y ait un consensus. Je demande à tous les Imaniens d'être en cohésion totale, parce que nous avons perdu des bons joueurs, mais nous devons travailler, Dieu a donné, Dieu a repris.